Chérie, aujourd'hui je vais vous parler encore des arbres, mais cette fois-ci j'ai choisi de vous parler des arbres qui sont à Makemo, c'est-à-dire des arbres qu'on n'a pas amenés de Tahiti ou d'ailleurs, des arbres qui sont depuis toujours à Makemo, qui poussent là sur votre terre. Alors écoutez bien tout ce reportage. Je vous embrasse. Mes chéris, je pense fort à vous. Le cocotier, c'est un arbre que vous connaissez bien,
Alors, on utilise ces palmes tressées pour faire des toitures, des nattes, des paniers, pour emballer des aliments. Vos ancêtres en faisaient même des filets de pêche. On peut faire des éventails, des chapeaux, des couvertures pour le sol, des taraudières. Alors, vous connaissez tous le célèbre baleiniao. Vous en avez peut-être reçu quelques petits coups. Alors, les fleurs du cocotier peuvent servir à faire des couronnes. Alors aussi, le tissu fibreux, que vous appelez, vous, le kéré, à la base de chaque palme, eh bien, il peut servir pour faire des filtres pour les liquides, ou bien pour envelopper des objets, ou pour faire des ceintures. Avec la bourre, on faisait aussi des filtres pour les liquides. On peut calfeutrer les pirogues, on peut allumer le feu. L'huile de coco est utilisée pour elle-même, sous la forme de monoï. Il est particulièrement utilisé en massage pour les soins du corps, mais aussi pour les cheveux. L'eau de coco est stérile. À l'heure actuelle, elle est très recherchée dans les pays occidentaux. Et évidemment, je n'oublierai pas de vous parler du copra. Vous savez tous ce que c'est. Eh bien, ce copra qui est récolté à Makemo, il part à l'huilerie de Tahiti. Le copra est donc transformé en huile et cette huile ensuite est envoyée par exemple en France. Et avec, on fait du savon, comme le savon de Marseille. Le Mikimiki était très recherché autrefois, notamment au Tuamotu, où il est très commun, pour confectionner des objets nécessitant un bois très dur et très résistant. On fabriquait des lances, on fabriquait des massues, on fabriquait des hameçons. Après le cocotier, le fara est une des espèces traditionnellement les plus importantes pour ses emplois utilitaires. Les fruits du fara étaient utilisés dans l'alimentation d'autrefois, plus particulièrement dans les Tuamotu, où les ressources en nourriture végétale étaient parfois très très limitées. Les drupes, colorées et odorantes, sont utilisées pour faire les couronnes et les colliers. Autrefois, surtout aux marquises, elles étaient utilisées pour faire les colliers des chefs. Le fara était utilisé pour les toitures des maisons, un peu moins aujourd'hui, mais il sert aussi à confectionner de nombreux objets tressés, tels les chapeaux, les corbeilles, les ventailles, les nattes. La partie extérieure du tronc, creux par ailleurs, était utilisée pour confectionner des tuyaux d'eau ou des poteaux pour le faré ou bien des manches. Aujourd'hui encore, on peut l'utiliser pour faire des poteaux. Mais à partir du pandanus, on peut également fabriquer toutes sortes de médicaments. Le néonéon est un arbre que j'ai découvert à Makemo. C'est un véritable miracle cet arbre, c'est une pharmacie à lui tout seul.
j'avais la gratte, eh bien, j'en ai été guérie grâce au néo-néo. Il peut faire disparaître les démangeaisons provoquées par l'ingestion de certains poissons. Il agit également sur des cas d'empoisonnement. Au Tuamotu, le bois est utilisé pour des constructions diverses, la confection de pirogues ou comme combustible. Enfin, à Tahiti, les fruits étaient utilisés pour la confection d'une teinture rouge.